Salut à tous! Pour cette nouvelle vidéo, je sais pas si ça va vraiment servir, mais on va dire que quand j'ai commencé le circuit, oui, je transpire parce que je ne gonflais mes matelas. Je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce que je devais amener sur circuit ou pas, qu'est-ce qui était vraiment utile. Et du coup, là, en attendant mes potes, je me suis dit que ça serait bien quand même de montrer aux gens qui savent pas trop quoi prendre pour la première fois. Je transpire vraiment. Qu'est-ce que je prends moi après. Un an et demi maintenant que j'en fais. Bon, forcément, quand tu transportes du bordel, il te faut un endroit pour le stocker. Moi, pour le coup, je suis plus adepte du box. Donc, un box, ça ressemble à ça. Nous, à l'ES, on a un extincteur, bon, des volets électriques. Si tu loues plusieurs box, tu peux ouvrir les deux ici et les deux là. Moi aussi, si tu as une famille qui arrive avec des enfants dessus, tu passes une moins bonne nuit. Sur Alès, dans les box, on a compresseur, on a les prises électriques. Normal. On a des porte-manteaux et on donne directement accès sur le paddock. Ah ouais, t'as des outils pour nettoyer si tu veux récupérer ta caution. Et puis on a accès directement à l'entrée de piste qui se trouve ici et la sortie qui se trouve au bout au niveau de la cabane là-bas. Ouais, bon, le téléphone il galère à faire la mise au point. Donc comment je m'équipe? Donc moi là, bah, bon, mes potes sont pas arrivés, je me suis un peu étalé, mais c'était aussi pour faire un peu la vidéo. Bon, on va commencer par l'ordre. Quand je sais qu'il fait beau, je prends toujours une tonnelle. Comme ça, j'accroche. Je vous montrerai les photos demain, mais j'accroche mes prises sur les parts de la tonnelle pour mettre mes couves. Une tente. Pourquoi prendre un box si je dors dans une tente? Tout simplement parce que les volets là, vous avez de l'air qui passe en dessous, et j'ai déjà chopé la crève le lendemain, enfin un soir en dormant. Donc maintenant, je dors dans une tente. Après, c'est une tente gonflable D4, hein, que j'avais acheté pour aller au Hellfest. Matelas gonflable, je prends toujours. En plus du sac de couchage, je prends une couverture. Pour bien dormir, la lampe pour aller aux toilettes. Le must-have, l'étagère en plastoc Casto à 15 balles. Ça, franchement, c'est le meilleur achat. Il faut commencer par ça. T'as toujours un endroit où tu veux poser ton casque. Ça, c'est de l'hyper absorbant. Donc voilà, ça c'est bien quand tu fais de la méca et tout, pour éviter de payer. Bon, ça c'est mes couves. Mon casque, mes gants, un produit pour nettoyer ma visière et une lingette, forcément. Une salade mexicaine, très, très appréciable dans les coups durs. Un gonfleur USB, parce que le mano n'est pas toujours dispo. Une casquette, bon, mon airbag avec ma combi. Une cafetière italienne et un réchaud. Bon, une cafetière italienne, ça se présente comme ça, hein. Et un réchaud tout simplement, bon, du WD. De la graisse, du PQ, des sacs poubelles, des cotons-tiges, des pansements, du Doliprane, du Smecta, de l'anti-vomitif, bon, mes bottes, mes vêtements de rechange, une table D4, une chaise, une glacière électrique. Si tu veux filmer, tu peux toujours prendre des caméras. Par contre, fais gaffe parce que les fixations de GoPro standard, comme ça, là, en plastoc, c'est celles que tu as en brique comme des Lego, elles se cassent sous les vibrations. Une multiprise, un chargeur de téléphone, des chips pour la nourriture saine. L'enceinte, t'es pas obligé, ça fait chier tout le monde, mais bon, quand tu mets le son doucement, ça va. Un chauffage, c'est bien quand il fait froid. Des rallonges, alors des rallonges, il va t'en falloir. Surtout si, alors si tu prends des rallonges simples comme ça c'est bien, parce que les rallonges, les enrouleurs, comme celui que je viens d'oublier, parce que je viens d'y penser, pour pas qu'il cogne, il faut le dérouler entièrement, surtout quand tu mets tes couves ou un chauffage comme ça. Après, moi, je transporte toutes mes affaires de piste, je les range dans ce sac de hockey là. Donc oui, donc le matelas, pas la couverture, le matelas, la tente, tout ce qu'il y a sur l'étagère en face, ma combi, tout ça rentre dans mon sac de hockey. Comme ça me permet d'avoir des trucs rangés chez moi. Alors, depuis peu, j'ai pris l'habitude de mettre des formes dans mes bottes parce que sous la transpi, j'ai une fois rangé mes bottes et la coque s'est cloquée à l'intérieur. J'ai un chargeur de batterie. Des éco-cups, de quoi purger mes freins, ça c'est méga important les gars. Des claquettes pour aller à la douche, parce que les douches dans les circuits, des fois t'as des gens qui rentrent avec des chaussures et c'est bien dégueu. Et c'est comme à la piscine si tu veux pas attraper des verrues. Bah, il te faut une moto. Il te faut une moto, ce qui est indispensable sur la moto, si t'as des couves, bah, c'est les deux béquilles ou au moins une, au moins l'arrière quoi. T'es pas obligé d'avoir des diabolos, t'es pas obligé d'avoir des platines, t'es pas obligé d'avoir des pneus racing, t'es pas obligé d'avoir des protèges carter carbone, t'es pas obligé d'avoir tout ça. Si tu fais ça en amateur. Mais il va te falloir de l'essence aussi. Et ne prends pas ces jerrycans là, c'est de la merde parce que quand tu dévisses le truc, ça coule à côté, c'est pénible. Il vaut mieux que tu aies des jerrycans en fer avec un entonnoir,
et un, comment ça s'appelle ça, un arrosoir avec une trompe, c'est plus facile pour faire le plein. Mais en gros, pareil pour ta moto, quoi, t'es pas obligé de tout avoir, quoi. Là, moi, c'est parce que j'ai envie de me faire plaisir et j'essaye d'en faire une fois par mois. Mais t'es clairement pas obligé d'équiper ta moto comme ça, quoi. Moi, elle me sert qu'à ça, celle-là. C'est un gros défaut. Et si jamais t'en veux une dédiée à la piste, avant de commencer à mettre des polis, des paires de jantes, des disques neufs et tout, vraiment, c'est un truc que j'ai toujours pas compris, mais commence par les suspensions. T'arrêtes tout, tu travailles ta position et les suspensions, et après tu fais autre chose à côté. Bref, voilà à quoi ça ressemble. Ça sera un peu plus le bordel quand tout le monde va arriver, mais au moins déjà j'ai pu vous faire un petit tour d'horizon. Si j'oublie des choses, je rajouterai après. Alors, pour continuer la vidéo, du coup, ben voilà mes prises suspendues. Ça va top avec les couves. Par exemple, voilà, j'ai acheté ça sur Amazon. Je vous mettrai la description dans le lien de la vidéo. Ce que tu as besoin, du coup, si jamais tu fais du circuit, mais c'est toujours bien d'avoir au moins une béquille, comme je disais. Donc, soit une béquille arrière, soit une béquille avant. Moi, sur mon Ninja, elle se met sous le tête fourche. Sinon, si tu as des étriers radio, tu as ce genre de béquille-là qui vont super bien. Ou sinon, tu as ce genre de béquille-là qui se mettent sous les tubes, mais ça c'est galère, surtout quand tu bouges la moto parce que ça tient pas des masses. Bon, il faut aussi un enrouleur, c'est très important. Bah, il va te falloir utiliser toutes les multiprises de ta maison. Un compresseur c'est bien pour faire le mano, la pression. De l'essence, donc tu as deux options, soit tu prends un bidon comme ça, mais il faut avoir un bouchon spécial, bouchon de remplissage. Soit tu prends un jerrycan comme ça, mais il te faut quand même une petite pompe à main que tu trouves souvent dans les grandes surfaces, ça vaut 2 balles, c'est toujours pas mal. Ne prends pas la version avec les piles parce que, bon après c'est des rumeurs, j'ai jamais vu ça, mais avec les piles, il se peut que ça crée des dysfonctionnements. Un petit truc à roulette, c'est toujours bien pour faire de la mécanique, et puis après bah, le confort que tu souhaites prendre. Simplement. Donc le matin, quand tu, enfin, le mieux c'est quand même d'arriver la veille et de récupérer ton box le soir. C'est une préférence aussi parce que bon, charger la moto à 5h du mat, la décharger quand tu arrives sur circuit, faire ton inscription, le sonomètre, vite. D'ailleurs ça, je vais aller en parler de suite, mais c'est quand même plus confort pour moi de dormir la veille au soir dans un box. Le matin, il te faut ton permis, la décharge de responsabilité que tu signes auprès de ton organisateur pour aller récupérer ton étiquette pour rouler. À partir de ce moment-là, tu vas avoir en fait un petit papier qui te résume les consignes de sécurité. Tu vas devoir passer au sono. Donc là, par exemple, sur la majorité des circuits que je fais, c'est 96 dB à 4500 tours, sauf certains circuits en France qui ne sont pas limités en dB comme le Paul Ricard. Donc 96 en week-end et 100 en semaine, là je parle pour Alès, mais c'est globalement la même chose pour l'ensemble des circuits. Donc certains circuits acceptent de faire rouler les Ducati et les KTM qui font plus de bruit d'origine, d'autres non. Si tu es un super motard, il faut que tu te renseignes quand même si tu es autorisé à rouler, parce que des circuits comme Vaison, de souvenir, n'accepte pas Vaison et les noms, je crois, n'accepte pas les supermotes. En fait, ça dépend aussi des orgas, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes trages. Enfin, les supermotes, ils n'ont pas du tout les mêmes trages que les sportifs. Ou inversement. Donc, le sono, comment ça se passe? Bon, bah, vous mettez tous en ligne. Donc, faites pas comme la majorité des gens, mettez votre casque et votre gant et vos gants, parce que vous avez les pneus froids et un eyesight, ça arrive très vite. Donc, voilà. Donc, vous faites la queue et là, globalement, ça se passe comme ça. Donc il vous demande votre cylindrée, la chicane et enfin, la cylindrée, la chicane si vous l'avez pas il faudra la mettre et c'est tout. Je rappelle 4500 tours pour les bicylindres et les 4 cylindres et 7000 tours pour les deux temps, du moins sur Alès. Voilà, donc il ne faut pas en faire tout un flanc.
Sachant que si vous avez pas, ben, si vous dépassez, il faudra prendre un échappement d'origine. Mais bon, enfin, globalement, vous achetez un DB Killer sur Amazon ou même un sonomètre pour vérifier avant et ça se passe relativement bien. Voilà. Bon, ben me voilà aussi pris en flagrant délit de vlogage au moment du sonomètre. Donc bon, je pense n'avoir rien oublié. Juste au cas où je me sois mal fait comprendre, je regardais en montant la vidéo. Ta béquille avant, t'en as besoin que si tu mets des couves. Si tu mets pas de couves, tu prends juste ta béquille arrière, ça suffit largement. Et c'est juste pour permettre de pouvoir faire ta pression facilement, c'est toujours plus simple avec des béquilles. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je revienne sur certains sujets, n'hésitez pas, bon bien sûr, à vous abonner, tout ça, bon ça, voilà. Je fais pas trop ça pour ça, mais voilà, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir si j'avais commencé le circuit. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous trouvez ça pertinent. Et comme je le répète, t'as pas besoin d'équiper ta moto avec tout ce qu'il faut, enfin, tout ce que j'ai présenté, si tu fais de la piste 3 fois dans l'année. Tu peux y aller avec tes pneus route, dans tous les cas, t'es pas un pilote. T'as pas besoin de couve, t'as pas besoin de Super Corsa, t'as pas besoin de D211, t'as pas besoin de mettre de la 300V de vidanger tous les 3 sorties. Mais déjà, fais-toi plaisir et surtout, prends soin de vous. Ciao.